告げる彼が遠くなり響く戦う友よ今君は死も恐れず瓦礫の街を染めて沈む勇気はくれない愛する星の未来を守るためもう神の刃は人の愛祈りも込めて貫け立ち上がれ気高く前定めを受け出せる日よ明日の平和への礎となれ Est-ce qu'on m'entend déjà? Yo 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 yo, Madara Senju, je sais pas si on m'entend. Hein. Dites-moi oui, on... oui, 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 let's go! Ça fait longtemps, les gars. Yo Idris, yo Madara, yo Sabo, yo Kingsley, yo Stilo, yo Kaoru Mitoma, yo Anime, purée, tu dates. Oh, de fou! Ça fait 2-3 mois, j'ai pas fait de live. Yo Godwin, yo Abdulhamidi, Sulaimana, yo Gohan. Ah ouais, mais en plus, y'a beaucoup de nouveaux là. Il y a beaucoup beaucoup de nouvelles personnes. Let's go, let's go. Super et toi Idris, comme d'habitude. Yo Benjamin, yo Kira, yo Dark House. Salut Dark House. Ah, oh, Dark House, il attendait tellement ce live. À chaque fois, il me disait, ouais, le live. Je disais, ah non, j'ai raté le chapitre, tout ça. Là, c'est bon. Là, il y aura plus de ratage de chapitre. Ça y est, on y est, enfin. Yo, je fonce le GOAT. Ah ouais, hier t'avais live le chapitre, j'avais vu. Bon, attendez, je vais tester le son avant de commencer sérieusement. Comme d'habitude, hein, vous connaissez. Alors, Zeus. Putain, incroyable la miniature. Je l'ai choisi exprès, je me suis dit, est-ce que je prends le Gohan là qu'ils avaient mis en PP? Je me suis dit, non, celle-là elle est plus sublime. Elle représente la qualité de ce live aujourd'hui parce qu'il n'y aura pas qu'un seul chapitre, ni deux chapitres, ni trois chapitres, mais je pense qu'il y aura quatre chapitres là à lire ensemble. Bon, attendez, je vais mettre pause. Ouais. Ok, non, le micro il est parfait, c'est juste la musique que je dois diminuer. Voilà, voilà, c'est bon. C'est bon. Là, c'est parfait, je crois. Yo Degré, yo Sabo TV, yo Rohan, yo Dragon Nostalgia. Ça fait ultra plaisir, les gars, de vous revoir. Ça fait ultra longtemps. Vous m'avez manqué. Les lives aussi, ça m'a manqué de fou. Kaoru Mitoma, le crack est de retour. Un des abonnés les plus fidèles de la chaîne. Incroyable, frérot. Personne peut s'asseoir à ta table. Enfin, si. Il y a, comment il s'appelle? Il y a Madara Uchiwa, il y a... Starmo, je sais pas ce qui lui est arrivé, il date. Moi, je suis à jour sur DBS, mais je dis rien. Ouais, de toute façon, DBS, maintenant, c'est sur l'arc super-héros, là. Yo, le Gure Saiyan, yo, Samet. Ça fait longtemps, de fou, ça fait 3 mois, je pense, depuis mars. Depuis mars, j'ai pas fait de live. Il y a eu une soirée, j'allais lancer un live, mais j'allais prévenir personne. Après, je l'ai pas fait. Attends, je veux te dire. Le dernier live, c'était... Le 10 mars, les gars, le 10 mars. Wesh. Le 10 mars, j'avais 21K. Là, il y a 3000 nouvelles personnes avec nous. Aujourd'hui, c'est du cacomé. Eh ouais, mon gars. Il est où, Sofiane? Il vient jamais en live. Je sais pas pourquoi. De toute façon, Sofiane, il est là que pour du DBS. S'il y a quelconque personne qui défend DBS, il est toujours là. Il est toujours présent, le poteau. Bon, attendez, ça va mettre des OST comme d'hab. Il est où, Dark House? Il est où, mon Dark House? C'est le premier chapitre que je regarde avec toi. Ah ouais, sérieux, Dragon Nostalgia. Animé plus fouteux. Ça m'avait manqué, Kakumei. Pareil, gros. Eh, j'ai pas lu depuis le chapitre de mars. Attends, c'était lequel? C'était le 17 ou le 16? Attends, c'était devant mes yeux. Attends, 2 secondes.
Bah ouais, DBS, mais DB quand même est meilleur que DBS, ça c'est Non, mais si, évident. attends 2 secondes. Incroyable le micro. Ok, chapitre. Ouais, c'était le 17. Donc là, je vais me taper 18, 19, 20 ou 21. Je sais pas, attends. Je crois qu'ils avaient pris un mois de pause, non? Je sais plus. Manga Draft. Attends. J'ai pas ouvert Manga Draft. Les gars, hey, vous savez quoi? Puisque ça fait longtemps, je voulais choisir l'OST. Je voulais choisir la musique de fond. Vas-y, peu importe. Yo yo yo, ça m'aide. Sérieux, c'est meilleur de fou. Je sais pas si tu as lu Kakumei Hassan, mais large. Devilium Shura, salut les Warriors. Bienvenue Devilium, incroyable ta pépé. Tu regardes les scans One Piece? Non, One Piece, je te jure, des fois j'essaye, mais j'y arrive pas. Je peux te lire 2 chapitres de suite, mais après j'arrive pas. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. C'est pas pour moi à la fin. Je kiffe One Piece, hein, mais faut vraiment, vraiment y être fidèle pour pas te perdre. Sinon, si t'es pas fidèle, bah, tu finis par te perdre. Parce que t'as vraiment, vraiment le temps, mais c'est fini, ça. Moi, j'ai plus le temps. La musique de Goku Migaté. Rohan, pourquoi tu m'oublies? OST Build Q. Attends. Je pense, je crois de. Je pense, je sais de quoi tu parles. Build Q Dokkan. Je pense, je sais de la. Ouais, c'est celle-là. Attends. Oui! Incroyable l'OST. Je l'avais utilisé dans une de mes vidéos. Incroyable. Yo Hero Gaming. Wesh, ils sont incroyables vos pépés, les gars. Le guerrier Saiyan, il a une pépé de fou. Hero Gaming, Samet aussi. Bon. Je crois qu'on a perdu Darkos. Ah non, il est là, je suis là, beau gosse. Bon, je crois que c'est inutile qu'on perde du temps, les gars. On va commencer à lire. Parce que là. Attends, j'ai direct ouvert au chapitre 16. Je l'avais lu le 16, non? Ouais, je l'avais lu. Le 4, je sais pas par. Ah si, le 4, si, je me rappelle de cette couverture. Ah ben attendez, vous voyez rien, vous. Voilà, là, vous voyez. Et vas-y, ça y est, la pub. Attends, il dit quoi? Oh, Ibra! Putain, hey, désolé, Xelu, je suis actuellement en trottinette. Juste, tu l'as jusqu'à quand? Le temps que je rentre chez moi, STP, j'arrive chez moi. Ça va, t'as le temps, large, large. On va lire 3 chapitres, là. Il est en trottinette, il a dit. Putain, dinguerie. Hey, imagine, t'as quelqu'un qui regarde ton live en trottinette. Vraiment un tel niveau de saiyanitude et de fidélité, c'est incroyable. Ibra, t'es le GOAT. T'as joué à Budokai sur PS2? Ouais, quand j'étais petit, hein. Assis aux toilettes. Ah ouais, à ce point, frérot, ce live, il te donne envie de chier. C'est pas cool, hein. Bon. Il y en a un dans le chat, il m'avait dit, mais l'OST du Mégaté, vas-y, je la mets comme ça, vite fait. Après, on va mettre la playlist pour que ça colle à la lecture. Et c'est parti. Ça y est, Kia, là, dégage. Choisissez une vidéo. Oh, ça y est. Kia EV6 100% électrique. Ça, c'est la fierté Saiyan, C'est de une fou. création. Ah, les chiens, je peux pas changer de fenêtre. Sinon, la pub, elle va stop. Budokai 3 sur Wii? Non, moi, c'était Budokai Tenkaichi 3 sur Wii. Jusqu'à 500 Incroyable, tu prends la manette là, tu tournes dans le vide quoi. Et boum! recharge ultra rapide de 100 km. Non, l'expérience Budokai Tenkaichi sur Wii, c'était incroyable. Allez, c'est bon, t'as fini? Allez, continue la lecture, let's go. Celui-là, c'est bon, je l'ai lu le 17. Ouais. Ouais, du coup, voilà, on a Osmose. Let's go! Let's go! Qu'est-ce que j'allais mettre comme OST? Attendez, DBS, OST, cover. En général, je préfère mettre les covers. Vas-y, s'il y a une playlist ou quoi que ce soit, je vais la mettre, mais sinon. La voiture de la pub qui roule avec la musique du Migaté. Pour moi, DBS Broly pose vraiment problème à l'histoire. Mais pour moi, le film DBS Broly, franchement, s'ils avaient enlevé la partie du Goku là. Qui était habillé en armure, c'était inutile. Pourquoi tu je sais pas, c'était inutile ça. Pour moi, fallait qu'il garde l'histoire de Goku, mais de DBZ, de la loi de Bardock de base.
Il était bébé, voilà, pas d'armure ni rien du tout. Par contre, oui, en parlant de Bardock, je vais en parler en vidéo bientôt parce que je me suis tapé l'OAV là. L'OAV de Dragon Ball Z. Et franchement, j'ai pas mal de choses à dire, hein. Il y aura des trucs qui vont vous décevoir, mais vous allez voir, de toute façon. Bon, let's go! Let's go, let's go, let's go. On est à combien de likes? Attends, 2 secondes. 62 likes, let's go. Les gars, go 70 likes là, ça y est. 100 likes, je comprends rien. Chapitre 18, Osmose. Donc, doucement, je vais pas tout rush parce que ça fait 3 mois que j'ai pas lu de Kakumei. Donc, laissez-moi admirer cette cover où on a Broly Land avec Kale. Elle fait quoi, Kale? Pourquoi elle tient sa main comme ça? Ah, elle veut rester dans le Broly Land à Skip. Vegeta qui conduit, lui, le gars de l'univers 6. Par contre, il y a un truc qui me fascine, c'est. Comment ils trouvent ce genre d'idée, la Broly Land et tout? Je kiffe trop les petites pages comme ça. Purée, je vois mal. Ah ouais, attends. Ah non, c'est bon. Non, non, c'est bon, on va bien. Ça y est, mets la qualité au maximum du live. Vas-y, attendez, je reteste le son une dernière fois et c'est bon, je m'y lance. Je reteste le son une dernière fois et c'est bon, je m'y lance. Ok, c'est parfait, c'est bon, let's go. Je vais juste baisser le son dans mon propre casque comme ça, je m'entends aussi. Hein. Voilà. À ce qui paraît, il y a un chapitre. Enfin, j'ai été spoil sur rien du tout. Rien du tout. Par contre, je sais pas c'est quel chapitre, mais il y a un chapitre qui a provoqué de la hype. Je. Peut-être c'est moi, je rêve, mais je pense ça. Hein. Bref, allez. Ah oui, attends, 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 déjà, petit récap, vite fait, petit récap. Ok, donc là, il y a Broly qui pète un plomb. Je me rappelle ça, il avait écrasé le crâne d'un Saiyajin de l'univers 6. Il a complètement pété un plomb. Tout le monde s'est mis sur lui. Ouais, voilà, lui. Ah, il fait pitié. Ah, il fait de la peine. Voilà. Bon, je vais régler son compte. Voilà. Et là, il y a le roi. Ok. Imbécile, j'ai vu que l'envers, ça fait longtemps. Ok. C'est parti, du coup. Let's go. Tu joues à Dragon Ball Legends? Ouais, actuellement, j'ai repris juste pour la Nive. Bon, les gars, comme d'habitude, avant de commencer la lecture, un maximum de Ike dans le chat. Ça y est. Un max, max, max de Ike dans le chat. Cent vingt-trois votes. Ok, let's go, faites plaisir. Vas-y, let's go, Ike! Voilà, donc lui, ok, lui, c'était le gars qui s'était fait écraser le crâne, d'accord. Ouais, non, par contre, l'OST, là, elle est trop épique pour un moment pareil. Ok, attendez. DBZ, on va mettre ça. Kaichi 2, OST. J'ai envie de changer un peu. Ah non, faut pas abuser non plus. Ouais, non, j'abuse un peu, là. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien, je trouve. Allez, let's go. Ouais, c'est bon. Let's go. Hey, gros plein. Soupe. C'est tout ce que t'as dans le ventre. Tu veux prouver quoi en te prenant qu'à des petits soldats? T'es plus assez fort pour t'en prendre à des combattants plus puissants? Amiral, que faites-vous? Ferme-la, soldat. Je sais ce que je fais. Attends, attends, mais j'avais lu ça. Ah, attendez 2 secondes. Deux secondes, les gars. Ça va être bon dans quelques secondes. Voilà, c'est bon. Non, en fait, j'avais juste lu les deux premières pages. Mais c'est tout, là, je connais rien, ça y est. On refait, du coup. C'est tout ce que Valentina est pour toi. Les pages, elles sont incroyables, comme d'habitude. Dégagez! Kale!
Ah, mais si, attendez, attendez, les gars, pause. Je crois que j'ai lu ça. Non, j'avais pas lu. Eh, les gars, je commence à me perdre. Non, j'avais pas lu. Attendez, peut-être c'est parce que Kale était apparu dans ce chapitre-là. Si, enfin, parce que je me rappelle, Kale, il était parti voir Broly. Oui, attends. Oui, voilà. Attendez, les gars, pause. Parce que là, j'ai un truc bizarre, là. Ok, tout le monde s'attaque à lui. Ok, bah c'est bon, y a pas de problème. Je sais pas pourquoi j'ai une impression de déjà vu. C'est bizarre. Essay countdown to the decisive battle. Vas-y. Countdown to the decisive battle DBZ. Ouais, j'avoue, là, elle est un peu trop épique. C'est trop joyeux pour un moment pareil. Je sais pas comment te l'expliquer, attends. Au pire. DBZ. Ah, merde. Attendez, les gars, attendez. Doucement. Bonjour, Xelucio, oh my. Vas-y, allez, let's go. Broly, c'est moi, Kale. Ok. Broly. Donne-moi ta main. Ok. Ouais, ok, il lui a blessé la main. Il me renvoie mon attaque. Kale, va-t-elle réussir à faire quoi que ce soit contre lui? C'est devenu une bête inarrêtable. L'exacte représentation de ce que notre roi déteste dans le Super Saiyajin. Mais c'est notre allié. Et Kale le sait plus que n'importe qui. Alors, ayons confiance. Le chaos. Voilà ce que j'ai demandé à Dura. Les plus grands stratèges savent retourner toute situation à leur avantage. Tout est une question de clairvoyance. Ça te plaît de faire le malin comme ça? Hein? Ne va pas croire que j'ai oublié que tu as envoyé un de ton foutu sbire traquer Bulma. Je te pardonnerai pas. Fumier! Par contre, c'est moi ou c'est les yeux de l'Ultra Instinct là? Non, je pense que c'est le Blue Evolution. Bref, pourtant, tout a l'air de se passer comme je l'entends, depuis le moment où j'ai posé le pied sur cette planète. T'as le sourire! Je ne rentrerai pas indéfiniment dans ton jeu, crois-moi! J'ai hâte de voir ton plein potentiel, petite. Dragon Ball Kai, OST Requiem. Mais ça, c'est pour les moments ultra tristes, je crois, je sais de quoi, de laquelle tu parles. Là, il y a un peu de l'action et tout. Attends, j'augmente. Il s'est distrait. Il va attaquer quelqu'un d'autre. Ah ouais, elle passe en berserker. Ne bouge plus. Broly. Calme-toi, je t'en supplie. C'est bien. Oh, c'est moi, Kale. Entends le son de ma voix, mon frère. On l'a déjà fait. Je sais que tu peux y arriver. Elle s'est détransformée, elle est folle. Non, laissez-la faire. Oh. Broly, je peux entendre ton fort intérieur. Je suis là. Tiens, tu m'entends? Ah oui. Je sais que tu luttes pour ne pas perdre le contrôle, Broly. Je le sais, car les liens d'énergie avec lesquels je te retiens ne font pas le poids face à ta force. Pourtant, ton corps est cloué au sol. C'est bien la preuve que tu t'efforces à te ressaisir. Alors, reprends le contrôle tant qu'il est encore temps. Non. Mais tu dois le faire. Pas avant qu'il paye. Il paiera, ce foutu démon paiera. Mais je peux pas te laisser repartir. Tu ne t'attaquerais pas. Pas qu'à lui, tu feras forcément des dégâts collatéraux. Et on ne peut pas se permettre de perdre qui que ce soit de plus. Si tu ne veux pas, je le ferai quand même. Oui. Non. Ah, ok. Ok, au calme, Darkos. C'est pas grave. Oui, je dois absolument l'arrêter. Wesh! Broly, reprends tes esprits! Je sais que tu peux le... Non!
Ok, aucun. Tranquille. J'ai pas lu 3 chapitres. On enchaîne. Let's go. Oui, c'est incroyable. Protéger Bulma, chapitre 19. On enchaîne. Ok, donc c'était la période où il faisait encore 2 chapitres tous les mois, genre un chapitre toutes les 2 semaines. C'est pour ça que c'était rapide. Oups, pardon. Ok, let's go. T'as vu? Elle est incroyable l'OST. Bon, allez. Le dessin aussi, il est incroyable. Par contre, ces bras là, ils sont bizarres. Eh ben. Laboratoire Tsufur. On y est. Putain, eh, ça serait tellement stylé qu'un jour j'ai un petit. Je sais pas, un petit écran, un petit clavier pour mettre des bruitages là quand il y a quelqu'un qui s'envole, il se transforme, il crie, il lance des boules de ki. Amiral Fennel! Chilai! Attention, elle est dans un état extrêmement instable. Messieurs, les médecins, vous devez faire quelque chose. Ah, Chilai, oh non, que lui est-il arrivé? Un de ses démons a voulu enrager Broly et il a réussi. Plus tard. Elle est dans un état critique, mais elle est encore des nôtres. Soyons optimistes. Nous n'avons rien vu venir. Ce monstre a eu ce qu'il voulait et nous voilà dans cette situation. Yo, Saphir! Je sais pas si c'est le saphir que je connais ou c'est un autre saphir. Ouais, il y a Elzo. Ok, c'est le bon chat, c'est le bon saphir. Yo, les gars. Yo, Xilus. Yo, Drago. Ziladil. Yo, chat. Putain, les gars, vous manquez. Si seulement nous avions pu être là pour l'en empêcher. Non, Caulifla. Monsieur Vegeta nous a demandé de protéger Madame Bulma. En parlant de ça, je n'ai pas vu la moindre trace d'un démon par ici. Il est pourtant parti bien avant nous, c'est étonnant qu'il ne soit pas encore arrivé. Peut-être a-t-il décidé de faire marche arrière quand il a vu qu'on le poursuivait. Ça me semble malheureusement très peu probable au vu de ce qu'ils nous ont montré être capable de faire jusqu'à maintenant. Attends, quoi? Très peu au vu de ce qu'ils nous ont montré être capable. Ouais, ok. J'ai fait le tour du bâtiment et isolé toutes les personnes à risque. Le bâtiment est presque entièrement vide. Je te remercie, jeune homme. J'ai les muscles. Par ça, tu n'as pas senti une quelconque présence maléfique par là où tu es passé? Heureusement, ou non, je n'ai aucune idée d'où il peut... Qu'est-ce que... Par ça, c'est ton nom alors. Ah! On s'en souviendra peut-être pas de toi, mais tu seras au moins reconnu comme ma première victime ici. Quoi? Tu peux plus bouger? C'est impoli, je suis obligé de venir à toi dans ce cas. Je ne suis qu'un exécutant. Le vénérable héritier m'a ordonné de m'occuper de cette Bulma. Et vous êtes des obstacles. Le souci étant qu'une fois m'être occupé de toi, je vais donner l'alerte de ma présence. Enfin, il fallait bien que j'agisse tôt ou tard. Alors laisse-moi te dire une chose. Je te serai redevable si on se croise dans l'autre monde un de ces jours. Le dessin, il est incroyable, par contre, il y a une petite asymétrie, mais vas-y, je vais pas faire le mec chiant. Wesh! Non. Je sais pas, Poisson, quand il dessinait ces pages-là, je crois, il avait un peu la rage, IRL, hein. Il fait que de transpercer les personnages! Wesh! Attends. C'est quoi mettre? Stylé. Attends. Oh non! Par ça! Alors ce fumier montre enfin le bout de son nez! Nous devons immédiatement bouger d'ici! Il en a après Bulma, pas Chilai! Tu as raison! 73, 74, 75, 76, 77, 78. Si quelqu'un a le moindre problème, qu'il n'hésite pas. C'est quoi ce lieu? Ton père a l'air vraiment engagé. En tout cas, j'espère sincèrement que Bulma va bien. Je la vois pas parmi nous. 83, 84, 85, ça m'inquiète. Qu'est-ce que tu fais? Reviens! Et je connais ces deux têtes-là. Je sais plus c'était quoi leur nom, mais bref. T'as vu quelque chose? Non,
Wesh! Oh non! Ce fumier est en train de faire la même chose à l'amiral Fennel! Qu'il a fait à part ça? Il faut faire quelque chose! Tu me vas bien? Tu seras ma deuxième victime, félicitations! Non! 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 Ah, ok, ok! Ok! Oh, je vois bien! Merci, Colifla! Comment avez-vous deviné? Les enchanteurs comme toi, je les connais. Le pire qu'il puisse arriver est qu'ils nous hypnotisent et nous rendent impuissants de tout mouvement. De ce fait, j'ai prévenu mes camarades que nous devions faire attention à toujours rester groupés pour réagir si l'un de nous se faisait surprendre. Bravo, Colifla, tu as su tirer parti de l'enseignement de l'amiral Ruba. Il fallait agir vite tout en réfléchissant à comment parer des sorts de ce niveau. C'est vrai que ce gros sac m'a appris un tas de trucs. J'ai simplement agi de la meilleure manière qui soit sur le moment, et en me disant qu'un choc suffisamment puissant pouvait rompre l'ensorcellement. Même si ça peut paraître assez téméraire, ça a fonctionné. Une magie si puissante a forcément un contre-coup. En effet, bien joué. En revanche, me voilà exactement où je souhaitais être. Let's go, on enchaîne. Zenkai. Hey, il a trop de flow ce personnage. Même s'il pète le crâne à transpercer tout le monde, il a juste trop de flow. Oui. Wouah. La touche pas. Wesh, Kyabe, le glow up. Putain. Hein. Attendez. Je vais mettre ça. Le rayon lui est simplement passé à travers. Ça lui a rien fait. Kyabe lui est pourtant transpercé le crâne. J'ai plus d'un tour dans mon sac. À nous deux. Wesh, lâche plus le main, frérot. C'est toi? Ah, elle, voilà. Pepino, hybride Saiyan Sufful, 17 ans. Pepino, qu'est-ce que tu fais? Il est dangereux. Ne vous en faites pas, Bulma, je vais vous sortir d'ici. Wesh, mais qu'est-ce qui se passe? Non. Et merde. Wouah. Et de deux. Wesh. Même celle n'a pas été aussi... Celle n'a pas été aussi violent. C'est incroyable. Par contre, le dessin ici, il est incroyable. Ultra stylé. Putain. Wesh. Piu, piu. Fini de jouer. Wouah. Ah, ok. Restructuration en cours. Ah ouais, d'accord, ok. Je pensais qu'il était mort. Impossible. Et pourtant, je ne m'attendais pas à ça. Je viens de frôner la mort et pourtant je me sens plus fort qu'elle. Je me sens plus fort. Quelle étrange sensation. Alors, pour une première fois, je vois un personnage de Dragon Ball qui ressemble à une meuf mais qui n'en est pas une. Ça, c'est la première fois. Parce qu'au début, ok, il s'appelle Pepino, mais genre quand tu vois la tête, tu dis c'est une meuf. Et jusqu'à maintenant, je pensais que c'était une meuf. Alors toi, tu es toi aussi un adepte de la magie. Fascinant. Mais tu as devant toi le plus grand magicien de l'univers 14. Tu as vite regretté d'être relevé. De la magie? Détrompe-toi. Je ne crois pas en ces foutaises. Tu es sur la terre de la plus haute technologie de l'univers 6. Et je vais te prouver que tes petits tours de passe-passe ne fonctionnent pas contre moi. Qui n'a pas d'imagination n'a pas d'aile. Plaît-il? On dirait qu'on est au Moyen-Âge là. Vous trois, récupérez Bulma et barrez-vous de là. Je m'occupe de lui. Ok, hey, stylé hein. Ça change des boules de ki, des gros kamehameha, des gros coups de poing ici, tout ça. Ok, intéressant tout ça, ok, ok. Attends, il a fait quoi avec ses bras? Ok, il a fait comme ça. Ouais. Ah, ok, ok, c'est bon, ok. Il a levé. Il a soulevé en haut. Ok, ça rappelle un peu l'attaque de Trunks. Eh bah, il n'y va pas de main morte. Ah, ok. Téléporte. Essaie d'arrêter ça avec ta stupide technologie.
Vous avez entendu ça? Ça craint. Vous pensez vraiment qu'un Tsifun viendrait à bout de ce type? Tu aurais pu détruire toute la zone, mais tu t'es retenu. Il y a une raison à ça. Le vénérable héritier m'a ordonné de m'occuper de cette Bulma. Pas de tuer toute forme de vie qui se trouve sur mon passage. Le groupe de Saiyans qui était là était des obstacles qui m'empêchaient d'arriver à mon but. Et toi aussi, à ce que je vois. Je suis d'humeur clémente, je te laisse encore une chance de ne pas finir sur mon tableau de chasse. Te faire avoir par un simple hologramme, monsieur le magicien, je remets pas en doute ta vision du mysticisme. Ouais, ok, la technique. Et te faire avoir par une illusion solide, ton scepticisme, en prendrait-il un coup? Oui, comment? Il semblerait que tu étais pris dans le joug d'une illusion. Ah, tu m'as l'air indestructible, tu ne me laisses pas le choix, espèce d'enfoiré. Hein? Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Depuis tout petit, ma force n'est malheureusement pas à la hauteur de la surpuissance naturelle des Saiyajins purs. C'est le côté intellectuel des Tsufur qui a pris le dessus dans mon ADN. Pino est un bâtard. Malgré l'envie du roi Sadara de tous nous rassembler, le métissage n'est pas toujours bien vu, surtout du côté des Saiyans conservateurs. Cela dit, mes parents m'ont assez répété que ce n'était que des gens incivilisés et qu'on ne fera pas un monde différent avec des gens différents, indifférents. Attendez, il est temps de changer d'OST là un peu. Deux secondes les gars. Vas-y, on va essayer ça. Non, c'est trop rock. Là, c'est bon, on s'en fout de la monétisation, je vais me faire plaisir. Attendez les gars, attendez, je change de OST là. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez là jusqu'à l'instant? Franchement, je kiffe, hein. Franchement. Par contre, j'ai des trucs à dire. Mais ça sera après la lecture, bien sûr. Non, ça fait trop rock ça. Attendez, j'ai changé de OST. Peut-être celle-là. Oh, ok, masterclass, ok, let's go. Alors, j'ai voulu me prouver que je pouvais être fort à ma manière. Bon, j'ai rien dit, l'OST est parti en mode troll, là. Ouais, non, des limites quand même. Puis, attends. Pire, je vais mettre celle-là. Vive des baisers de réel. Voilà, let's go. Alors, j'ai voulu me prouver que je pouvais être plus fort à ma manière. Ok. J'ai travaillé pendant des années à compenser cet écart de force naturelle. Et j'ai enfin trouvé une alternative. Je te présente mon chef-d'œuvre, ma force virevolte. Quoi? C'est tout? Ah, ok. Univers 7, planète Lestia. Ok, c'est oui ça, attendez. Par contre, masterclass celle-là. Franchement, super bien fait. Oui, Darkos. L'OST, il fait. Fais-moi confiance, mets ça. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi. Ah, bien vu. Vas-y. Par contre, parce qu'il y a deux versions en fait. Il y a la version du film et la version de l'animé. Attends, je vais te mettre la version du film. La version du film, je la kiffe beaucoup mieux. Attends. Battle of Gods OST. Je sais pas si tu la connais, mais attends, je vais te la mettre vite fait. Non, attends, pas celle-là. J'avais mise dans une de mes vidéos. Attends, elle était où? Ah, elle est là. Céline est en train de bander. Vas-y, t'en penses quoi, Darkos? Celle du film, ouais, vas-y. Vas-y. Let's go. Attends, je sens une masterclass là arriver. Vas-y, let's go.
Univers 7, planète Lestia. Ok, première page couleur, en plein chapitre. Donc, il y a Whis, ok. Ok, cela fait plusieurs mois désormais que Goten et Trunks ont commencé la deuxième étape de leur entraînement. C'est avec une grande volonté et un désir de devenir toujours plus fort que les fils de Son Goku et Vegeta ont fini par s'élever au rang du Ki divin. Why? Enfin, ouais! Je tiens sincèrement à vous féliciter pour vos progrès lors des derniers mois. Votre puissance actuelle ne ressemble en rien avec celle que vous aviez en quittant la Terre. De plus, vous avez frôlé la mort à chacune de vos 9 tentatives. Si vous aviez retenté une dernière fois, vous seriez mort à coup sûr. Peu importe l'entraînement pour lequel vous auriez opté au préalable. Wesh, par contre, la colo et les masses, c'est incroyable, gros! Wesh, le Whis! Mort! Cela dit, votre corps a connu plusieurs Zenkai. Ok? Le jeu en valait la chandelle. Wesh, Trunks, il pète le flow comme ça. Surtout de profil. Bah, ça change du petit. Du petit geek là qu'on a dans DBS. Avec ces vieux jeans là de merde. Zéro flow. Putain, au moins il a du flow le petit Trunks de la timeline du présent. Y'a pas à dire, t'as dû en affronter des épreuves pour être aussi fort, papa. Putain. Pouah, combien de fois j'ai cru qu'on allait mourir ici. En fin de compte, nous avons réussi ton entraînement plus vite que prévu, Whis. Et nous te remercions sincèrement. Ouais, non, par contre, là, l'OST... Non, en vrai, je peux laisser, non? Xius, ton jean, il est pas mieux. Moi, je pars pas de jean, frérot. Je porte des shorts. Ça va, l'OST? Non, je vais mettre une autre. Je vais mettre celle-là, celle qui me l'a. Ouais, voilà. On va rejoindre mon père dorénavant et finir l'entraînement avec les Saiyans de l'univers 6. Wesh, le visage de Whis, il est trop bien fait. Je sais pas, il y a un petit regard de Hisoka là. J'y pense depuis un moment, mais j'aimerais bien faire un détour rapidement par la Terre pour voir ma mère, Pan, Piccolo et tous les autres. Non, par contre là, c'est devenu chill. Du coup, chill, OST, DB. On va mettre celle-là, vas-y. Ouais, non, non, faut pas partir là. Celle-là, je pense, elle est bien. Ouais, ouais, ouais. Parfait, parfait. Vas-y, on va refaire. On va refaire. On va refaire. Y'a pas à dire. T'as dû en affronter des épreuves pour être aussi fort. Otosan. Pouah! Combien de fois j'ai cru qu'on allait mourir ici? En fin de compte, nous avons réussi ton entraînement plus vite que prévu, Whis. Et nous te remercions sincèrement. On va rejoindre mon père dorénavant et finir l'entraînement avec les Saiyans de l'univers 6. J'y pense depuis un moment, mais j'aimerais bien faire un détour rapidement par la Terre pour voir ma mère, Pan, Piccolo et tous les autres. T'as raison, Bra doit se demander où nous sommes passés. J'ai hâte de la revoir. Et puis, on pourrait faire un tour chez Dende et Mister Popo. Leur plan me manque tellement. Oui, si tu pourrais faire quelque chose pour nos cheveux, c'est plus possible là. Oh, d'ailleurs, j'ai une idée pour le tenue, Goten. Il faut que je t'en parle. Un délire de super-héros trop classe. Mais non, sérieux? Êtes-vous prêt pour la prochaine épreuve? La prochaine épreuve? Le Super Saiyajin Goten n'était pas la dernière étape! Wesh, la page! Wow! Purée, l'OST, je t'aime! Ah, il est incroyable avec ce moment! Ok, non, là, il est temps de changer. Celle-là? Vas-y, celle-là. Celle-là. Pourquoi on est là, Whis?
Depuis l'annonce du grand prêtre, il s'est passé un peu plus de 6 mois. Vous possédez désormais le ki divin et vous avez développé la forme de Super Saiyajin Goten. Cependant, avec votre puissance actuelle, vous ne ferez pas long feu lors de la guerre qui arrive. Les dieux qui nous menacent, si puissants que ça? Wesh, mais c'est Black là! Ouais, c'est Black! Putain, incroyable le dessin. Vous n'étiez pas présent lors des dernières batailles contre Zamasu ou au tournoi du pouvoir, alors votre perception de la réalité est relativement erronée, réelle. Mais vous n'avez pas idée à quel point vos prochains ennemis sont dangereux. J'aime bien les couleurs là, comme ça. Un peu rouge, magenta, avec du Jiren Black Goku, vu que Jiren il s'habille en rouge, et les cheveux de Black c'est rose. Et puis pour les Hakaishin c'est violet, putain c'est trop bien pensé. C'est plaisant pour les yeux, quoi, en plus. Ouais, non, par contre, là... Ça y est. Je cherche des bonnes OST, là. Attendez, les gars. Attendez. Pause. Je suis en train... De chercher, c'est quoi ça? Ouais, je pense que celle-là, elle est bien. Vas-y, let's go. Mais tout devrait bien se passer. Il y aura mon père, Majin Buu, Gohan, Piccolo, numéro 17 et tous les autres. Même ce fameux Jiren dont m'a parlé mon père. Sera de la partie. Cela serait un exploit que mes Cerberus en ressortent vivants. Dans le regard. Quoi? Mais Cerberus risque de mourir! Qu'est-ce qu'on fout là, bordel? Il y a 6 mois, vous n'étiez que des combattants moyens pour l'univers 7. Désormais, vous avez dompté le ki divin, et ce n'est que le début des choses sérieuses. Je vous ai amené en ces lieux car c'est ici que je m'entraîne depuis que mon existence est de mise. Cet endroit peut s'apparenter à ce que vous appelez la salle de l'esprit et du temps. Ok, on arrivera à rattraper nos années de retard rien qu'en un an et demi. Il s'agit d'une dimension accessible uniquement par les détenteurs du ki divin, dans laquelle je peux vous emmener à ma guise. Les couleurs, frérot, les couleurs, elles sont incroyables. C'est quand, là, les précos des tomes de Kakume? Deux personnes en plus de moi peuvent y séjourner, et c'est pourquoi j'ai opté pour cette option. Ce sera votre ultime préparation. 4 heures dans cette dimension, équivalent à 1 heure sur votre terre. Ok? De cette manière, au lieu d'un an et demi, vous disposerez de 6 années supplémentaires. Ok. Wesh, doucement mes oreilles! Bon, attendez, on va complètement changer. J'espère qu'il est encore long, le chapitre. Vas-y, je sais celle-là. Tenez-vous prêts. On va rester encore 6 ans, ici? Autrement dit... quand nous sortirons, nous aurons 22 et 23 ans. Ah oui. Vous avez votre rôle à jouer pour le conflit qui arrive. Vous avez le destin de votre famille et de vos amis entre vos mains. Prouvez-moi que je n'ai pas eu tort de vous prendre comme élève. Il a tout donné, là, Poisson, sur Whis. Bien. Je ne vous donnerai qu'une seule consigne pour votre dernière épreuve. Pour que la porte s'ouvre, vous devrez réussir là où vos géniteurs ne sont jamais parvenus. Masséna Ku. Quoi? Surpassez-vous. Devenez ceux qui sauveront... Surpassez-vous. Devenez ceux qui sauveront Son Goku et le multivers. Toi qui disais que le Super Saiyan God méritait mieux, peut-être qu'il faisait... Ouais, non, franchement, là...
Allons-y. Eh ben, c'est déjà la fin. Bah, ça fait un bail. Dragon, on dirait c'est ça me vise moi parce que c'est vrai que ça fait un bail. Hein. Dragon Ball Kakumei a connu une pause imprévue en raison des problèmes d'organisation. Ça a entraîné des nuits blanches pour Poisson Labo ainsi que des efforts acharnés de la part de Rinko et Darkoz pour rattraper les divers oublis. Attendez, je baisse un peu. Alors, dans tous les... Attends, pour aggraver les choses, Poisson Labo s'est blessé à la main droite alors qu'il ne restait que quelques pages à finaliser, retardant ainsi la publication d'une semaine supplémentaire. Dans tous les projets, il y a des moments difficiles, mais l'important est de les surmonter et de se réorganiser efficacement afin de ne plus les rencontrer à l'avenir. Ainsi, nous reviendrons prêts à reprendre le rythme d'un chapitre chaque 25 du mois, sans difficulté, pour le tome 5, qui débutera au chapitre 22. Félicitations à Lenny Levalant pour avoir remporté le concours de dessin à Malone et merci à tous pour votre participation. En attendant, le chapitre 21 sort le 15 juillet 2023. Restez connectés, l'équipe Kakumei. Ah, ça fait du bien, hein. Ça fait vraiment... Non, c'est tout, putain. Ça fait du bien de relire du Kakumei et de lancer un live. Et franchement, les pages colo, elles étaient incroyables, hein. Yo, hello, bienvenue. Yo, Gogetas, mais avec AX. Franchement, j'ai kiffé. Par contre, il y a eu des petits moments, mais après, voilà, il a expliqué, il s'était blessé à la main et tout. Mais il y a eu des petits moments au niveau du dessin, putain, où c'était pas vraiment, vraiment ça, tu vois. Mais ça y est, au calme. Tranquille. De toute façon, ça change de Toyotaro, des fois. Par contre, j'aime trop cette petite case-là, avec Goten et Trunks qui réagissent comme ça. Par contre, on est d'accord, là, il lui avait dit une nouvelle coupe de cheveux et tout. Ouais, voilà. D'ailleurs, j'ai une idée pour nos tenues, Goten. Il faut que je t'en parle. Ouais, voilà, déjà, de nouvelles tenues. Et voilà, une nouvelle coupe de cheveux. Ouais, parce que c'est vrai que là... Ouais, déjà, même ici, je trouve les cheveux de Goten un peu trop grands quand même. Mais bref, vas-y. Il était 10 sur 10 le chapitre, j'avoue, hein. Par contre, la deuxième partie du chapitre, j'ai trop kiffé. Parce qu'avec l'OST, tout ça, ça lui a donné du charme. C'est après quel arc? C'est après Broly directement. Il n'y a pas de Moro ou Super-Hero ou quoi que ce soit. Les cheveux de Goten et Trunks sont poussés, c'est fait exprès, t'inquiète, il reste métis Saiyan. Attends. Ouais, c'est vrai, ok, ça donne un effet bien mieux en Super Saiyan God, mais... Quand ils sont normaux, tu vois, c'est un peu chelou de voir les cheveux de Goten comme ça. Tu vois, alors que de base, quand il a les cheveux longs, bah, faut voir la fin des DBZ, tu vois. Mais bon, vas-y, tranquille. Par contre, le Whis... Il dégageait quelque chose quand même. Cette page-là. Lead et New Hope. On me l'a conseillé plusieurs fois. Je dois le commencer lui aussi. L'entraînement de Goten et Trunks dans Kakumei. Incroyable. J'ai hâte de voir la fusion quand ils seront ados. Ouais. Par contre, ils sont trop stylés en SG God. Je suis d'accord. Par contre, c'est mieux de les voir en SSG God, mais en adulte, quoi. Parce que tout petit, avec leurs muscles, là, tout que c'est... Ok. Par contre, c'est vrai, Broly, on se demande comment ils vont le calmer. Je crois, j'ai ma petite théorie, je crois ils vont finir par soigner Sheila et c'est Sheila qui va venir. Ouais, Broly, je suis vivant, tout ça. Moi, je pense que c'est ça, parce que là, si même Kale n'a pas pu l'arrêter, bah laisse tomber. Ils se
sont mieux entraînés que les guerriers qui sont dans l'univers 6. Ouais bah largement, là c'est de l'entraînement avec un ange hein. Là c'est pas pareil. Là c'est pas pareil mon pote. Ils vont ramener Vados. Ah ouais c'est vrai, on l'a jamais vu Vados. J'avoue. C'est vrai que Vados, je l'ai complètement oublié. T'as bien fait de le dire. Par contre, ouais. Le nombre de fois que... Que Poisson, il a transpercé des personnages, c'est fou quand même. Bon, lui, ça va, il a survécu, mais il y a l'autre, il a pas survécu, je pense. Par contre, lui, il a trop de flow. Je sais plus comment il s'appelle, là, le démon. Il y a des pages, il avait vraiment, vraiment du flow. Ouais, non, frérot. Elle est stylée, l'OST, mais c'est pas pour des moments pareils. Non, en vrai, vas-y, je vais laisser. Ouais, hey, ces pages-là, elles étaient incroyables. Avec le démon et tout. Là, il le transperce à la selle qui transperce Trunks. Boum, par terre. Et là, le coup de poing comme ça. Pff. Non, c'est même pas un seul, c'est deux. Là, je viens de voir le deuxième. Oui, 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 oui. Rien à dire. Rien à dire, j'ai rien à dire. Bon, la seule critique que je donnerais, c'est au niveau des dessins. Il y a des fois où... Tu vois, il y a des petits problèmes ici et là, mais tranquille. Je suis pas comme un autre anglophone là qui dit... Tu sais, il y en avait un, je regardais son live, c'était il y a très longtemps. Je disais, non, comment c'est possible que le dessinateur de Kakume, il dessine comme ça? Oh, même nous, si on laisse passer ça... Ils vont faire pire et tout. Non, on doit pas laisser passer ça. Ça y est, respire, frérot. Non, moi, franchement, je fais juste la remarque. Mais voilà, je pète pas mon crâne non plus. C'est rien. C'est qu'un dessin, après. Quand ça fait plaisir d'enchaîner trois... En vrai, c'est mieux de les avoir enchaînés comme ça que si c'était en des lives différents. Ça fait penser aux 12 travaux d'Astérix dans un sens avec les épreuves. J'ai jamais vu Astérix, je pourrais être sincère avec toi. Je pense que Black Freezer égalera le niveau de Whis un jour. Pas du tout frérot, mais tout est possible avec DBS. Ouais, avec la blessure à la main, c'était galère. Ouais, maintenant je comprends mieux. Par contre, le KB ici, il a trop de flow, il est trop bien fait. Je sais pas, ce chapitre-là, il y a eu beaucoup de dessins qui étaient incroyables. Là, lui, je kiffe trop. Là, ici, pareil. Non, franchement, des moments... Moi, il y a un seul truc que je trouve un peu regrettable dans mes lives Kakume. C'est les bruitages. Parce que, franchement, je vais pas te mentir, faire des bruitages moi-même, c'est... Il y en a, ils vont... T'imagines, il y en a, il me connaît pas du tout, il vient sur mon live, il dit « Ah, c'est quoi ça, Dragon Ball Kakume ?» Il m'entend faire des... « Pshu, pshu, waah !» Tout ça. Il dit « Mais il a quoi, le pélo ?» En vrai, c'est ça que je trouve... Parce que ce serait tellement plus badass de mettre Broly qui gueule et tout... Ouais, Siams, tu dates. Yo, Xalius, ça dit comme mon ref, l'ambiance du live, je kiffe. Super état, frérot, on va bien. T'aimes pas cet anglophone, il était resté 20 minutes sur... Ouais, t'étais là, Dragon, t'étais là, je me rappelle, ouais, il y avait toi. Tout à l'heure, je me posais la question, je me suis dit, je parlais avec quelqu'un que je connaissais, mais j'ai oublié que c'était toi, ouais, voilà. Ah, gros, il voulait pas lâcher. Yeah, we should not let this go. His leg is not drawn well, je sais pas quoi. Juste pour une case où la jambe, elle était pas vraiment, vraiment super bien dessinée. Quand c'est à sortir de « Ouais, on doit pas laisser ça » parce que quand on a laissé passer des choses pour Toyotaro, il a commencé à faire de la merde et tout. Zerma, Toyotaro, il attend notre avis pour que pour qu'il change. Non, les anglophones, des fois, c'est trop. Ouais, voilà.
matin, Yams, Darkos, Ibrasana, dans le même live. Il manque que les autres du commando et ce serait masterclass. Non mais tu cries Ike à chaque début de vidéo, donc les brutales c'est rien. J'avoue. Tu regardes Demon Slayer? Non, j'ai pas vu la saison 3, surprenamment. Je l'attendais avec impatience, mais je l'ai pas encore commencé. C'est vrai que je dois la regarder. T'es de quelle couleur de peau, STP? Bleu, je suis bleu. Avis sur les dessins de Toyotaro? Franchement, je vais pas dire c'est nul, mais il a un problème au niveau... En fait, il dessine bien. Tu vois, il dessine bien. J'aime bien ses dessins. À part, bien sûr, le Goku, parce que Goku, non. À part le Goku, il dessine bien. Quand il dessine Goku en SSJ, Blue en général, ça va, il gère. Mais Goku en forme normale, il pue la merde. Il met une tête de débile et il casse juste les couilles. Par contre, en général, il dessine bien, sauf qu'il a pas... Comment je peux expliquer ça? Tu vois, quand tu lis le manga Dragon Ball de Toriyama, il y a des pages, tu kiffes. Je sais pas comment l'expliquer, mais... Il y a les perspectives, il y a des pages entières, genre un Kamehameha, mais en une page entière. Un coup de pied, mais il est... Par exemple, le coup de pied de Vegeta sur Cell, il est mythique. Tu vois, dans Dragon Ball, c'est quelque chose de mythique, le coup de pied de Vegeta sur Cell. Et même... Le coup de coude de Cell sur Vegeta, c'est des cases que tu n'oublies pas. Alors que chez Toyotaro, franchement, il n'y a pas de cases dont je me rappelle. À part celle de Goku contre Moro. Goku Ultra Instinct et Moro, la double page là, elle était incroyable. Il y avait même la page unique quand il lui donne un coup de poing dans le ventre. Ça, c'était très bien. Mais le reste, je me rappelle pas de pages vraiment, entre guillemets, mythiques, quoi. Tu es de quelle couleur de peau, la singerie, mon dieu? Xelius Shiny. Je suis mort. Moi, je suis orange. Moi, je suis bleu, frérot. Elle est bien, la saison 3 de Demon Slayer. Je ne sais pas, je sais rien. Je sais rien dessus. Je sais rien du tout. Je trouve ces dessins trop lisses, il y a moins de... Oui, voilà, c'est ça, en fait. Il n'y a pas un truc impactant, il n'y a pas un truc dont tu te rappelles toute ta vie. Même l'arc Black Goku, je suis désolé. Il n'y a rien, ça pouvait être une dinguerie. Mais non. Attends, si, par contre. Je dois pas être de mauvaise foi. Si, Goku et Zamasu, mais genre Zamasu torse nu. Et t'as Goku qui est à droite, Zamasu qui est à gauche, et ils vont s'attaquer. Celle-là, je me rappelle très bien. Le Hakai aussi. Non, ça, en vrai, ça va. Mais en fait, t'as l'impression qu'il joue pas sur les angles de caméra, il joue pas sur les perspectives. C'est ça le problème à Toyotaro. Genre, c'est toujours soit de profil, soit de face. Et même, des fois, quand c'est de profil, c'est pas beau, tu vois. T'imagines le Hakai de Goku, par exemple, sur Zamasu? Si c'était de face... Comme si c'était toi qui te prenais le Hakai, à mon avis, ça donnerait plus d'effet que si c'était de profil. Même si, bon, après... Quand tu regardes le Goku SSJ4, je regrette ce qui est devenu Goku DBS. Bah ouais. Après, je me demande, le Goku de Kakumei, là, quand tout ce bordel va se finir, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce que là, ça y est, on va plus de Goku dans Kakumei. Il y a aussi la page avec Goku quand il est Hakai, mais elle n'est pas... Oui, voilà, je parlais de celle-là. Ouais, voilà. L'arc Moro, c'est trop sous-coté, alors que pour moi, c'est mieux que l'arc Black Goku. Franchement, l'arc Moro... En vrai, je sais pas... Le Susanoo de Goku, il m'a un peu refroidi, je vais pas te mentir. Le Susanoo de Goku, il m'a refroidi. Hein. Par contre, j'avoue que l'arc Moro... L'arc Moro, je dois le relire. L'arc Moro, je dois le relire parce que l'arc Black, quand je l'avais lu, j'avais tout lu en même temps. Alors que l'arc Moro, fallait que j'attende un mois et tout. Donc, il y a des trucs que j'ai sûrement oubliés. Donc, je dois me le retaper et je vous dis mon avis dessus. Il y a des pages DBS qui sont bien vraies. Et parfois, il y a des moments qui auraient rendu bien dans l'anime comme le Vegeta Blue versus Beerus.
Ouais, mais genre quand tu compares aux dessins de Toriyama de l'époque, je sais pas, il y a des dessins chez Toriyama, ils sont mythiques. Le Kamehameha de Goku contre Vegeta, Arc Saiyan. Le Goku Super Saiyan de Namek. Comme j'avais dit, le coup de pied de Vegeta sur Cell, le coup de coude de Vegeta sur de Cell sur Vegeta. Il y a plein de cases comme ça dont tu te rappelles, même quand ils le mettent en animé. Je sais pas, tu dis ah cette scène. Vous voyez le petit clip là de DiCaprio quand il se lève de sa chaise, il dit ça. Bah c'est ça en fait, on a cette réaction là, alors que dans le manga DBS, j'ai pas cette réaction. Les gars, vous imaginez si Kakume, il y avait une version animée, ce serait incroyable en vrai avec tous les personnages qu'il y a. Putain, mais en vrai, d'ailleurs, oui, j'allais faire des commentaires tout à l'heure sur Kakume, sur le chapitre l'avant-dernier là, attends, pas celui-là. Celui-là, je crois, attends, ouais, je pense celui-là. Oui, celui-là. C'est la première fois qu'on voit Kale avec les cheveux détachés. C'est trop stylé. C'est juste une petite remarque comme ça. C'est trop stylé. Ah oui, le Vegeta ici, là. Est-ce qu'il était en Blue Evolution? Non, ouais, il était en Blue Evolution. Par contre, ouais. C'est juste le... La case tout en bas, là, j'avais l'impression que c'était couleur argentée avec les pupilles du Mégaté, c'est pour ça. Parce qu'il y avait déjà eu une case pareille, c'était il y a très longtemps. Et je me suis dit, ah, oh, c'est peut-être les prémices du Mégaté. Après, gros, ouais, c'est réel, Toriyama, feu droit, clairement. Surtout Toriyama à son prime. Arc Saiyan et Namek. Même celle un tout petit peu au niveau des dessins, mais le prime niveau dessin c'était Saiyan hein, pour moi. C'est l'arc Saiyan. L'arc Cell aussi. Ouais bon bref, de toute façon pas l'arc Boo, ça c'est sûr. En plus celui qui fait Kakume, Poisson Labo, il est chiant en animation 2D. Ouais. Non, il est trop fort. Après faut oublier les scénaristes hein. Parce que certes, c'est lui qui dessine, mais c'est pas lui qui a toutes les idées. N'importe quoi, le manga DBS Trunks et ses idées. Super Goku et 6-3, genre Trunks c'est 500 fois plus fort. Ça, j'ai oublié par contre. Les petits détails comme ça, j'ai oublié. Bah, de toute façon, Trunks et ses idées, c'est plus logique qu'un Trunks... Ikari avec l'aura d'un SSJ Blue, ça a pas de sens. D'où elle vient l'aura du SSJ Blue? Ouais bah ouais, c'est un taf collectif de fou malade. Et ouais hein. Et dis-toi, là les chapitres qui... Les trois derniers chapitres, dis-toi que Poisson là, il a son bac hein. Donc t'imagines, t'as un bac à passer, tu continues quand même de rester discipliné, de nous sortir des chapitres vraiment masterclass. Faut le faire, hein. Faut vraiment le faire. D'ailleurs, à chaque fois, je dis, je vais faire une vidéo Kakume, mais je perds l'idée. Ah si, j'ai déjà... Ouais, c'est bon, j'ai rien dit. J'ai déjà une vidéo Kakume prête, mais je dois la mettre à jour un peu dans le script. Elle date du chapitre 17. Je dois changer un peu. Il y a un fan manga qui donne grave envie, c'est DB... Oh, voilà, encore une personne. Je sais pas pourquoi... C'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, c'est pas la cinquième fois. À chaque fois, on me dit DB New Hope. Vas-y, au pire, New Hope. Je vais pas lire dans ce live, hein, mais si vous voulez, on fait un autre live. C'est lui, là. Dragon Ball New Hope, c'est ça? Attends, c'est en espagnol, ça. Wesh. 600 000 vues.
Déjà, je vois un Goten. Un Gohan. Il est bien dessiné. Dragon Ball New Hope. Les dessins, ils sont stylés. De fou. Qui nous sort un manga vibe Dragon Ball, ce poisson. J'ai jamais lu, mais ça a l'air banger. Je crois que le créateur est FR. C'est une dinguerie à quel point les FR en sortent des trucs de fou, hein. Oh oui, lis le New Hope. Mais oui. Et vous êtes plein là, le conseiller. Le CG Bleu, d'où il vient, j'ai jamais compris cette transformation. Laisse tomber. Laisse tomber, le CG Bleu, j'ai même pas envie d'en parler. Attends, je vais pas lire, mais je vais juste feuilleter. Wesh, les dessins. Ok, les dessins, c'est un peu un Akatsuru fusionné avec du... Non, pas un Akatsuru, un Toyo... Non, pas un... Qu'est-ce que je raconte? Un Yamamuro, voilà. Fusionné avec Toriyama. Ah ouais, ok, c'est de l'autre sens. Ok. Ok, bon, celle-là, ok, les dessins, on connaît. D'accord. J'ai vu de feuilleter, les gars. Par contre, les dessins, je kiffe trop. Je kiffe trop quand les gens dessinent de la même manière que Toriyama, quoi. I'm proud of you, Gohan. Goodbye. Ok, bon. Ouais, là, il a copié-collé les dessins de l'anime, c'est sûr. Ouais, voilà, là, c'est du Yamamuro pur et dur. Par contre, là, ça va changer, je pense. Mais là, on connaît tout, les gars. Yo, Algoku, Everse, bienvenue. Je pense que l'aura bleutée du carré est une matérialisation brute des éclairs du CJ2. Ça serait bien, ton analyse, mais je pense pas... On n'a même pas vu comment ils ont le SJB, j'avoue. Avance pas trop, MDR, tu vas avoir une dinguerie si... Je vais avancer. Attends. Mais ça, on connaît, frérot. Ça, on connaît. Il m'a dit, je vais avoir une dinguerie. Là, à tout moment, il y a une dinguerie. Ça, on connaît. En vrai, il aurait pu skip tout ça, hein. Quoi? Attends, j'ai trop feuilleté rapidement là. Attends. C'est bien ce que je pense. Ok, vous savez quoi? J'ai mangé. Donc j'ai le temps. Je pense, je vais lancer un live Dragon Ball New Hope. Vous m'avez chauffé. Je pense que je vais lire New Hope, là. J'ai pas envie d'arrêter le live et de passer à autre chose. Je crois que je vais lire New Hope. Vous êtes chaud? Vas-y, 90 likes, j'arrête le live. Je lance un deuxième, on va lire New Hope. Vas-y, 90 likes, je lance. Après, entre 90 et 100, il n'y a que 10. Donc, mais 100 likes, les gars, c'est peut-être possible, non? Vas-y, 100 likes. 100 likes. Bon, entre-temps, vas-y, j'arrête l'OST. Oh, franchement, les gars, vous m'avez manqué. Ça fait très longtemps que j'ai pas lancé de live. Ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi hype. Ça m'a manqué. Je vais pas vous mentir. Il y a aussi Senju et tout. Je vais mettre ça. Ça y est, je m'en fous des musiques de fond. Ça y est. À un moment donné. I have no enemies. Attendez, j'actualise le live pour voir j'ai combien de likes. 92, je vous ai dit, vous êtes capable de faire les 100. Vas-y, 100 likes, je lance un live New Hope. Je sais pas, Darkos ou Poisson Labo, si tu vas revoir la rediffusion. Si t'as quelconque question à me poser, n'hésite pas à venir en DM. Parce que là, tu vois, avec le feu de l'action et tout en live... Il y a sûrement des trucs que j'ai oublié de dire.
Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me dis. Ah ! D'ailleurs, vu que j'ai mis cette musique, ça m'a rappelé un truc. Les gars, vous voyez mes pseudos là ? Tout en haut. Allez vous abonner à mon Instagram. Et à mon TikTok si vous avez TikTok. Mais principalement mon Instagram. DM commerce, vas-y, bien vu. De toute façon, je vais mettre mon tel en charge et je vais ouvrir après. Par contre, gros, moi, je l'ai en FR, le fan manga. Ah, New Hope, attends, tout à l'heure, j'ai ouvert la version espagnole. Là, c'est la version... Il y a une version FR ou pas? Prêt à skip, ça a été fait par un français, donc logiquement, oui. Le SCJ God n'est pas respecté à des personnes qui s'entraînent 4 mois, ils sont plus forts, c'est pas divin. Je suis d'accord, mais bienvenue dans DBS. Là où Son Goku dit qu'il est le pire élève de Muten Roshi et que c'est un bouffon total. Ouais, les gars, arrêtez de parler de DBS. C'est attristant. Je sais pas si ça se dit. Ah, ça, c'est déjà fait mes TikTok, je sais pas, je vais voir. Vas-y, bien vu, les gars. Les gars, abonnez-vous tous, follow-moi sur Instagram. Arrêtez de follow, là, vos vieux influenceurs, là, qui font des... Ça y est. Ils font des conneries ici et là. Ça y est, les gars. Faut être les meilleurs. Moi, je vais contribuer à ça. Yo, Dob, combien de likes? Ah, je sais pas, attends, j'ai dit 100 likes. Là, on est à combien? 96, il manque 4. Et le rose, il vient d'où? Non, en vrai... Laisse-t'en... Après, je vais pas te mentir. Ok, au début, je me disais, mais le rose, c'est quoi cette merde? Mais franchement, je vais pas te mentir, je trouve que le SSJ... Le Black Goku SSJ Rosé, il a du flow. Surtout quand tu vois des fanarts et tout. Je sais pas, moi, je trouve qu'il a du flow. Guard, Master Goasu, you have said something often to make mistakes but learn from them, thus forging a better. Dis juré, on est à 100 likes. Attends, j'actualise. Ah ouais, 100. Bah let's go. Bon. En tout cas, attends. Voilà, ok. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le dernier chapitre là que j'ai lu de Kakumei. Bien sûr, les deux autres, hein. Mais t'as toujours une préférence pour un chapitre plutôt qu'un autre. Surtout les pages colo, franchement, c'était un kiff total. Je m'y attendais tellement pas. J'ai respect, franchement, respect. Hein. J'ai rien à dire. Petit défaut, comme j'avais dit, c'était au niveau des dessins sur quelques pages. Si c'est possible, si Poisson aura le temps cet été pour... tu vois, il y avait un dessin du démon, là, qui était un peu asymétrique. S'il le rend un peu plus symétrique, ça serait bien. Sinon, voilà, par les dessins, les combats, ils étaient trop bien. Surtout le combat, là, du Tsufoul, du Métis et du démon. J'ai beaucoup aimé. Ça change des coups de poing musclés, des Kikoha, tout ça. Ça change un peu. On a des personnages qui utilisent de la technologie, ils sont transpercés, mais grâce à ce qu'ils font, bah, ils peuvent se régénérer. C'est innovant. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de trucs innovants, je voulais en parler. J'aimerais bien, dans Kakumei, qu'il y ait de nouvelles techniques. Parce que tout à l'heure, avec le petit Tsufu, la Pepino, il sortait des techniques, mais il n'y avait pas de nom. Ok, je comprends que c'est dur et c'est chiant, mais ça serait quand même stylé, tu vois. Quand même stylé qu'on ait des noms de techniques. Et à part ça, à part les personnages comme ça, j'aimerais bien de nouvelles attaques, par exemple pour Vegeta. Les gars, dans Dragon Ball Super, à part une attaque qu'il avait débloquée dans l'arc Black, je pense, ou dans l'arc Moro, je sais plus, il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau. Dans l'anime, pareil. Alors que dans Dragon Ball GT, par exemple, on a eu le Final Shine Attack. Le Kamehameha x10. Tu vois, des trucs différents.
Même Toriyama, il innovait. Au début, c'était Garlic Gun. Après, Final Flash. Après, Big Bang Attack. Depuis DBS, on n'a pas de nouvelles techniques. Même quand il était en SCG Blue, le gars, il nous a lâché un Final Flash contre Jiren. Pas de nouvelles techniques. J'aimerais bien, donc, du coup, dans Kakume, qu'on ait de nouvelles techniques pour au moins les personnages qu'on connaît déjà, par exemple Vegeta. Tu vois, un nouveau positionnement de main, comme ça, pour faire une nouvelle technique, je sais pas. De toute façon, Poisson, il sait très bien dessiner, donc il peut te sortir des trucs avec sa compréhension de l'anatomie, tout ça, il peut sortir des dingueries. Donc en vrai, franchement, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Gamma Burst Flash, l'épée qui vient de Végéto. Gamma Burst... Je pense que c'est Gamma Burst, le truc de DBS. Attends. Gamma Burst... DBZ. Oui, voilà, c'était le Gamma Burst. Oui, voilà. Mais on l'a vu qu'une seule fois. Une seule fois. Je sais pas pourquoi ils font ça dans DBS. Ils te ramènent une technique, par exemple, la fission. Une seule fois. Le Gamma Burst, une seule fois. Je sais pas, frérot, c'est une nouvelle technique. Utilise-la plusieurs fois. Pourquoi tu reviens en Final Flash? Ou à Dekiko Anormo? Non, franchement, il était à son prime durant l'arc Black. Hein. Mais là, il déconne. Même aussi... Bon, là, il est sûrement parti d'Arcos. Mais pour Poisson... Ouais, bon, après, je sais pas s'il va tout revoir. De toute façon, je vais lui renvoyer un DM. Mais de nouvelles attaques pour Goten et Trunks aussi. Tu vois? Ce serait bien. Enfin bref, en tout cas, bon bah, comme promis, on a les 100 likes, je vais relancer un live New Hope, donc dans maximum 10 minutes, on se revoit pour le prochain live, vas-y.